bonjour. Bonjour. Je viens pour le recrutement de directeur de supermarché. C'est là? C'est ici que ça se passe? Bonjour à tous. Voici mon CV. Voilà, vous pouvez le voir. Ouais, bah oui, parce que bah maintenant tout est sur téléphone, tu vois, y a plus rien, les feuilles ça existe plus. Aujourd'hui les amis, plus sérieusement, si vous êtes jumper, on se retrouve pour Super Market Simulator. Et aujourd'hui on va créer le meilleur des magasins du monde. Du coup on est parti, attention, j'espère que je serai un bon directeur. J'ai claqué la plus belle cravate. Bon, elle est en élastique, hein, faut pas déconner. Donc du coup, j'espère que ça va marcher, j'espère que ça va bien attirer les clients. On dira, ouais, lui, regarde, il est sérieux, il avait une chemise à carreaux, tout ça, tu vois. Il a claqué sa cravate. Du coup, bienvenue sur Supermarket Simulator. Vous commencerez avec un petit magasin et l'agrandirez pour devenir un super supermarché. Commencez par acheter des produits et à vendre, d'accord. Et placer sur les étagères, n'oubliez pas de fixer les prix avec un bénéfice pour éviter la faillite. Amusez-vous bien. Allez, c'est parti, on va commencer à vendre des kebabs et à la fin, on vendra... des sacs Louis Vuitton, voilà. T'imagines? Ok, donc là c'est chez moi, hein, d'accord, très bien. Oh oui, c'est vraiment... j'aime beaucoup mon supermarché, je vends du vide. L'air en ce moment est extrêmement rare, hein, surtout dans cette ville. C'est pas un moteur, hein, dedans, c'est pas possible, c'est un mec qui fait du vélo. Bon, alors attendez, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit PC, d'accord, le Noctaos. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Noctaos? C'est le marché? Ah oui, tu peux acheter tout ton truc ici. Oh, regardez ça! Il y a les chocs qui piquent. Pas mal, j'aurais fait la vanne aussi. Les chocs qui piquent, moi j'aime bien les chocs qui piquent, hein, ça pique. Ok, on peut en acheter un petit peu, tout ça, c'est ça, commencer les produits à l'aide de votre ordinateur. Très bien, je veux commander un peu de trucs. Ah, par contre, je vois en haut le panier, ça commence à monter, hein. J'ai que 50$. Bah, on va déjà arrêter là en fait, c'est déjà très bien. Donc, je vais acheter ça, voilà, et on va pouvoir mettre ça sur l'étagère et vendre beaucoup plus cher, hein. Ouais, on est vraiment le pire, hein. Donc, du coup, attends, est-ce que je peux poser un truc dessus? Quand ça se passe, récupérer les boîtes qui viennent d'arriver, où ça? Le mec, c'est une livraison. On est plus en 24 heures là, c'est une livraison en 2 secondes quoi. Ok, très bien. Donc, je prends mon pain de mie Rounce Weasley et je vais mettre ça sur l'étagère. Ah, oui, d'accord, il n'y a même plus d'emballage quoi. Ah, si, d'accord, ok. Oh, ah, ouais, d'accord, j'avais pas vu que j'en avais commandé autant. Mais c'est trop bien ce jeu. Ou alors, t'es. Lui, il vend pas des pains de mie et des chocs qui piquent, hein, ça c'est sûr. Hein. Ok, bon. Donc, ça, jeter la boîte vide à la poubelle extérieure. Ça roule. Donc, on va jeter ça dans la poubelle. Hop là, voilà, je fais les déchets. Ok, là c'est les chocs qui piquent. Mais c'est énorme qu'ils ont osé faire ça quoi. Non mais bientôt on va avoir du crunch. Ok, bon, les chocs qui piquent, je vais les mettre bah là, de toute façon j'ai pas le choix. Oh, de dessus on dirait des boîtes Félix, hein. Je dis ça mais c'est la même, hein. Ok, voilà, et hop, je vais jeter, fixer le prix. Attends, je vais jeter mon carton d'abord. Voilà, et on va fixer le prix. Est-ce qu'on doit fixer un prix? Alors, prix d'achat de 99. Profit du marché 5,98$, c'est pas mal, hein. Ok, vas-y, on va mettre ça. Hop, et pareil pour le pain de mie, on va le mettre à 1$ quasiment. Voilà, donc voilà, ça c'est bon. Fixer juste le prix. Je peux vraiment mettre ce que je veux. Genre, si je veux mettre 5$. Ah, je peux vraiment le mettre 5$. C'est vraiment... ok, et ça aussi, mais personne ne les achètera. On va le mettre à 3$. C'est vrai que le coût des 2,99$, c'est une bonne méthode, hein, parce que les gens, ils ont l'impression qu'ils gagnent beaucoup d'argent, tu sais. Alors qu'en fait, non, c'est juste que tu gagnes un centime. Hein. Tu vois ça... Oh, regarde, j'ai gagné... Je l'ai pas payé 3€, je l'ai payé 2€. Oui, mais tu as payé 2,99€ en fait. Donc, ok, bon, on va mettre 2,99€, c'est bien. Ça, on va le mettre, allez, je sais pas moi, 3,99€, c'est bien. Hop, voilà. Ok, ouvrez le magasin. Hop là, open. C'est bon, c'est open. Waouh. Déjà? Mais vous êtes rapide. Oh, je veux absolument les chocs qui piquent. Ok, vous avez pas de Nutella? Wow, on a déjà embarqué deux céréales. Bonjour madame, merci beaucoup. Ok, donc bah, ça, attendez, je calculatrice. Ouais, parce que scanner les produits. Ah oui, donc, je dois scanner d'abord. Ok, voilà comme ça, les chocs qui piquent, ça passe. Donc ça fait 6$. Ah oui, la thune est déjà là quoi. C'est take my money, hein. Bah écoute, pas de problème, hein. Hop, je prends. Faut que je rende la monnaie. 2 centimes. Ok, voilà, c'est bon. Hop, allez, tiens, c'est réglé. Comment ça marche? Appuie sur tout se passe. Ok, ouais, c'est bon. Bonjour monsieur. Bonjour, les chocs qui piquent, s'il vous plaît. Très bien, pas de problème. Attendez, je scanne tout ça. Ok, ça fera 10$ quasiment. Hop, hop, nickel. Attends, faut que je rentre le montant et tout. Mais c'est vraiment comme dans la vraie vie en fait. Enfin, je fais un vrai métier là. Ok, donc là c'est bon. Ok, donc tac tac tac. Oui, il a payé par carte. Ok, j'ai capté. Et eux, ils vont payer comment? Par carte, s'il vous plaît. Pas de problème. Voilà, je scanne madame. Vous allez sans contact? Il marche jamais. Ouais, bah moi aussi, mais ça arrive souvent. Ok, donc là ça c'est bon. Bam. Ok, sans encaisser. Ouais, payer en carte, c'est mieux. Ah, comme ça, ça m'évite de faire des calculs. Ok, donc là, hop. Merci, heureusement j'ai précisé de payer en carte. Hein. Donc là, attends, vous nous rendez combien là? Approuvé, c'est tout? Ah oui, d'accord, ok, j'ai rien à me rendre. Ok, je dois encaisser 25 clients. Ça se passe bien. Pour l'instant, mon magasin est de niveau 1.
On est tranquille, hein. On est tranquille. Ça commence doucement. Il est 9h30 du matin. Je ne sais pas dans quel pays on vit, mais en tout cas, les horaires ici passent très vite. Hein. Ok, je suis obligé de rester là. Non, ok. Ah oui, non, si, si, je suis condamné à rester ici, là. Encore des chocs qui piquent et du pain de mie. Ouais, vous avez fait une sacrée soirée, moi. Ok, combien 9. Bah, c'est bon, j'ai pas besoin de rendre. Monnaie insuffisante. Ah, faut que je rende 3 centimes. Ok, bon, pour 3 centimes, vous auriez pu me les donner quand même. Vous savez combien ça coûte, les chocs qui piquent. Ok, bon, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Salut. Wow, toi, t'as pas une tête pour manger les chocs qui piquent, hein. Et pourtant, si. Ok, en CB, ça roule. Et si je rentre autre chose? Ah, je peux pas l'arnaquer, dommage. Ok, bon, c'est pas grave. Ok, hop là, 5,98. Impeccable, les chocs qui piquent. Encore une QCB. James Bond, ça va? Comme quoi, James Bond est comme tout le monde, hein. Il mange des chocs qui piquent. Ok, on est bien. Il faut encore que je rentabilise un peu le magasin. Il va me falloir encore plus de 13 clients à livrer. J'étais en train de réfléchir, mais j'ai plus de chocs qui piquent. Qu'est-ce qu'ils vont acheter? Du pain de mie uniquement? Bonjour madame. J'espère que je pourrai un jour avoir un autre employé qui fait ça à ma place, hein, quand même. Ok. Donc 3,99. Oula, non, j'ai fait une faute, excusez-moi. Ça... On confond très vite les 3 et les 9, vous savez. Hein. Le mec, il trouve des excuses. Est-ce que je peux commander ou pas? Parce que là, y a quoi d'autre qu'on pourra commander? Du sucre en poudre, des panzati. Les panzati, c'est les pâtes de la mafia, tu vois. C'est pas les panzani. Chut, fallait pas le dire. Fallait pas le dire. Ok, donc je vais peut-être pas en acheter tout de suite. Un client attend la caisse. Oui, 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 monsieur Smith. Vous inquiétez pas. Je passe le pain de mie. 3,99. Je dois rendre de la monnaie. 1 $. Eh ben, les mecs, ils payent avec des sacrés bifetons. Hein. Hop là, voilà. Madame, du pain de mie. Pas de soucis. La carte passe, j'allais dire. Ça passe. Voilà. Ok, il nous reste 15 clients encore à servir. Allez, ça part. Quelqu'un d'autre? Personne? Ok, bon, on va en profiter, on va regarder un petit peu. Tout a l'air de bien se passer. Ah, quelle belle journée, dis donc. Quelqu'un pourrait m'acheter les chocs qui piquent? Monsieur, vous avez une très belle chemise. Je sais exactement où vous l'avez eu. Veuillez l'acheter sur ma boutique, s'il vous plaît, non? Voilà, lui, c'est lui, c'est un frérot, lui, collé. Oh, je l'ai pas vu, mais c'est verrouillé ici. Alors, on va pouvoir, à mon avis, j'imagine, peut-être débrouiller un autre, agrandir le magasin ou acheter un appart. Alors, donc ça je scanne, ça passe sur 3,99. Je me demande si j'ai pas un peu arnaqué quand même avec le pain de mie. Hein. Le pain de mie ici, pareil, 3,99. J'ai bientôt plus de produits. La monnaie, bah c'est bon, vous avez tout rendu, monsieur. Ça c'est des clients, je les adore. Ils n'ont pas besoin de monnaie, rien à faire, juste à valider. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Du pain de mie, j'imagine, parce qu'il reste plus que ça de toute façon en magasin. De toute façon, ça va pas tarder à me dire, à mon avis, d'acheter plein de trucs. Hein. Donc, ok. Waouh! Il m'a donné un billet de 50 $. Je dois vous rendre 46. Ok. Tac comme ça et 1 centime. Et voilà, on est bon. Ça part. Oh, j'ai le magasin qui va bientôt monter niveau 2. Est-ce que c'est genre je vais obtenir plus de bonus? Oh, par contre, le reflet, faut se calmer là. Très bien, très bien, très bien. Là, je peux me barrer, genre abandonner le magasin. Et voilà. Et là, on arrive dans GTA. Comment ça a dégénéré? Ok, bon, du coup. Oh, mais attends, mais, ça peut être super grand, j'imagine. Hein. Stockage. Ouh. Pour entretenir. Ouais, il est chiant ce mot. Entreposer. Ah bah écoute, genre du pain de mie là, j'ai pas le temps d'apprendre. Ok, donc ça passe en bifton. Billet de 5, madame. Billet de 5. Waouh, j'ai un peu trop rendu. Non. Attends, c'est récupérer l'argent. Vous pouvez récupérer l'argent en faisant le clic droit dessus. Ok, c'est bien. Ah oui, d'accord, tu redéposes. Donc là, 5. D'accord. Mes données, je dois donner encore 5 $. Mais non, mais je dois donner 5, un 6 et un 1. Voilà, c'est bon. Ok, au but, j'allais me faire arnaquer. Eh, vous, je vous ai pas eu tout à l'heure par hasard. D'ailleurs, j'ai mon magasin qui est niveau 2. Pour l'instant, ça n'a rien changé. Hop, allez, 3, 4, 1. Je peux pas le taper à la main. Ah, dommage. Pas taper avec la calculatrice. Taper tout avec la souris. Ok, j'ai plus de pain de mie, je crois. Je crois qu'on est en loose total là. Ok, bon, il va falloir peut-être acheter du matos. Il va m'acheter l'étagère. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, mais attends, il y a vraiment rien à acheter, les mecs. Regarde. Waouh, il est où le respect? Là, je le cherche. Je trouve rien. Ok, bon, ça roule. On va acheter des trucs. On va acheter des trucs un peu plus chers. On va acheter les panzati. 7,92 quand même. Du sucre en poudre. De l'huile. Et de la farine. Oh, je vais acheter un peu. Je vais acheter plein de trucs en vrai. Oula, non, on va se calmer. Attends, ça, je peux le retirer du panier ou pas? Attends, le truc le plus nul là, c'est quoi? Ça, je peux le retirer. 91 encore, et ça, je peux pas. Ça, je vais le garder. Les chocs à pic. C'est bon! Je peux acheter tout ça! Nickel. J'ai encore 28 $. Waouh, c'est quoi ça, la gestion?
Waouh! Ok, licence de produit pour acheter les produits et les vendre, d'accord. Les factures ici, ça c'est les meilleurs, meilleurs anglais, ça, hein, les factures. On peut agrandir aussi également, pour on peut embaucher! Paiement effectué 200. Il faut 200 paiements et niveau 10 en magasin. Stockage et prochainement customisation. Ça, ça me plaît, ça. Ouais, c'est vrai, la banque aussi. Prêt, oh, tu peux faire un prêt! Mais c'est délire, c'est trop bien! Ok. Waouh, il fait nuit, ok. Bon, bah attends, bah, moi j'en profite, hein. Je vais stocker ça. Hop, 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 hop. Alors, je vais mettre les produits, je pense, les plus chers au-dessus, comme ça, ils vont voir ça en premier. Ça, c'est l'huile, c'est tout nouveau, monsieur! Hop, je mets tout ça. Voilà, nickel. Ok, poubelle. Tac. Oui, bah, 2 secondes. Hein, j'ai un métier aussi. Doublement métier. Ok, du sucre en poudre. Impeccable. J'ai hâte d'avoir un spécialiste pour m'aider. Hein. Et les Panzani, là. Panzati. C'est parfait. Ok. Pardon, monsieur, excusez-moi. Voilà, je speed. Hein. Ah oui, même de nuit, il n'y a pas de lumière, pas du tout. Tu déconnes. Ah si, attends. Ah, c'est mieux comme ça. Ok, bon, nickel. Bonjour, monsieur. Alors, ça prend quoi? Du pain de mie, pas de problème. La carte, je prends, bien sûr, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il faut d'autre? De l'huile, là. Petite CB, là. Ah, j'ai pas fixé les prix. Je n'ai pas fixé les prix. Bah, après, ça met les prix de base, je pense, non? À mon avis, c'est pas plus mal en vrai. Hein. Comme ça, ça évite d'arnaquer un peu les gens. Ok, je dois rendre 18$. Tac, 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 tac. Et bien sûr, les centimes, c'est trop chiant. Tac. Voilà, c'est bon, c'est validé. Ouais, attends, est-ce que je peux fixer les prix ou pas? Prix d'achat 99. Prix du marché 3,12. Waouh, 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 waouh. Moi, je vais le mettre x2, hein. Voilà. Ah, ouais, 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 non, non, non. Là, c'est l'arnaque, là. Profil, c'est bon. L'huile, prix du marché 4,50, on va le mettre à 9. Faut que je double ma thune, moi. Ouais, ouais, il faut que je mette. Je vais mettre x2 en prix. Prix du marché 3 et quelques. Je vais le mettre à 7, tu rigoles. 7 le machin. Ça c'est 3, bah on va le mettre à 6,50. Voilà. Et le sucre, c'est 4,30. Bah, je vais le mettre à 9. Hein. 9$ direct. Voilà. Ah oui, non, 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 faut mettre x2 au prix du marché. Hein. Ok. Bonjour madame. J'ai changé les prix au dernier moment, vraiment désolé. Hein. Ah oui, mais elle avait déjà pris dans sa poche, tu m'étonnes. Bah là, c'est fait un plaisir. Faut que je rentre 36. Ok, donc comme ça, parfait. Et 2 centimes. On est bon. Salut madame. Ok, bon, je suis à 50$, c'est pas fou, je me suis fait arnaquer au début. Là, je me suis fait douiller, hein, vraiment. Ok, bon, est-ce que les gens vont quand même venir acheter ce que j'ai là ou pas? Appuyez sur entrée pour terminer la journée. Hop là, une bonne journée. Produit non trouvé 4 et 1. Revenu 105. Coût d'emprisonnement 105. Ah, j'ai gagné 88 centimes, c'est. Profit total 52 centimes, c'est triste. Ok, vous saurez les factures quotidiennes à partir d'aujourd'hui, génial. Super, bon bah le magasin est ouvert. Attends, ouvert. Ouais, en fait c'est ça, il faut que je pense à le fermer en fait. Le magasin avant de changer les prix parce que sinon les gens m'arnaquent totalement. Ok, bon là on est bon, il nous faut encore 6 clients à servir. Ça devrait aller en vrai. Par contre vu les prix des trucs, il y a vraiment des gens qui vont acheter ça. 6,50$ le paquet de pâtes. C'est vrai que ça fait un peu énerver quand même. Écoute, on va voir, on va voir. Peut-être les gens vont venir quand même. J'en sais rien. Ok, on attend tranquillement. On attend tranquillement. Voilà. Ok, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais modifier le prix des produits. En fait, genre, je vais les mettre un peu au-dessus du prix du marché parce que j'ai essayé le double. Ça marche, hein. Ça marche. Il y a vraiment des gens qui achètent le double. Hein, donc, vraiment, c'est quand même une bonne technique. Mais on va quand même, bon, on veut qu'on va vite finir l'émission. On va quand même les baisser le prix. Voilà, on va mettre un peu au-dessus du prix du marché. On va arrondir, quoi. Ok, bonjour, monsieur. Allez hop, la thune. Merci beaucoup, au revoir. Je dois vous donner 6$. Pas de problème. C'est réglé. C'est bon. J'ai encaissé 25 clients. Ah ouais la vache, y a du monde là, truc de ouf. Depuis que j'ai baissé les prix, laisse tomber. Oula, 410$ pour du sucre en poudre, ça fait cher hein, pour du sucre en poudre. Ok, donc là maintenant je dois acheter une licence de produits sur ordinateur. Ok, donc marché. Ok, donc la licence, j'imagine c'est pour vendre comme je disais les autres trucs. Licence, qu'est-ce qu'on pourrait acheter? 200$. Ah oui, c'est quoi? Pour attends, pour les bouteilles d'eau. Le fromage, le comté, tu sais, le narvalo, ok, d'accord, c'est du café, d'accord. Ah, c'est pour vendre plus de trucs, ok. Bah, ça roule. On va aller acheter une licence, mais on va vendre un petit peu d'abord. Et regardez, il est plutôt vachement bien rempli, là, mon magasin, là. Regardez tous les chocs qui piquent, là, qu'on a, le sous-sous et tout, là. Ouais, j'ai même fait traîner mes cartons, parce que là, j'ai plus de place sur l'étagère. Mais c'est pas grave, parce que, attendez, je vais encaisser le petit client, là, voilà. On va prendre 5 de thunes. Madame, 2 minutes, je vais acheter une licence, ça vous dérange pas. On va aller dans gestion, licence, et on va acheter cette licence, là, à 200, voilà. Ok, maintenant, j'ai des nouveaux trucs. Attends,
Oh ouais, trop cool. Alors attends, je vais regarder ça. D'abord, je vais acheter ça. Enfin, je vais vous vendre ça. Il faut rendre combien? $1. Ok, nickel. Le monsieur à la tête de mort. On y va. Vous payez comment? Ok, en liquide, j'avais pas vu. Ok, et là, regardez. Là, on a du thé noir, du lait. Ok, du lait, des œufs bio, des bouteilles d'eau et tout. Oh, mais attends, c'est trop bien, on va pouvoir avoir tellement de thunes avec ça. Par contre, c'est tellement cher, le thé et tout. Laisse tomber. Est-ce que j'ai encore des bouteilles d'huile? Alors, hop, on va remettre là. Bam, let's go. Je pose ça. Ça traîne là, c'est pas grave. Attention à pas empiéger le truc. Hein. Nickel, on va récupérer ça. Voilà, oh là là, vivement que je puisse avoir embauché un pote là, parce que là, là c'est terrible. Maintenant je dois avoir un réfrigérateur ou une étagère. Ok, bah moi j'ai pas de réfrigérateur, donc en vrai, je pense que ça va être utile si j'ai du lait. Et ouais, j'ai pas pensé à ça, fourniture. Réfrigérateur. C'est 375 de thunes. Bon les amis, c'est parti, on va pouvoir enfin s'acheter un petit frigo et vendre du coup des nouveaux produits. Alors attendez, on va aller directement bah déjà je vais acheter tout ça. Voilà. Attends, non, peut-être non, avant tu sais quoi, je vais d'abord acheter le frigo, parce que si jamais j'ai plus les moyens. On va prendre un réfrigérateur type B ou type A. Ouh. Mais attends, mais je pouvais carrément acheter le grand en fait. Bah tu sais quoi, on va acheter le moins cher. Voilà, pour commencer. Nickel, plus tout ce que j'ai acheté. Allez, c'est parti, let's go. Bon, il me reste 183, c'est pas mal hein, en termes de thunes. Hein. On est bien. C'est le frigo ça? Qu'est-ce que c'est? C'est. Wow, let's go! C'est le frigo! En vrai, il passe bien là, regardez. C'est tellement satisfaisant comme jeu. Ok, et du coup, je pourrais y mettre maintenant mes bouteilles d'eau au frais, voilà. Nickel. Boum, boum, boum. Voilà. Et je vais même pouvoir jeter ça à la poubelle. Ça, c'est quoi ça? C'est les œufs! Ah oui, c'est les œufs! Ok, les œufs bio là. Voilà, impeccable, j'ai pu tous les mettre sur une étagère, ça c'est cool. Ensuite, le comté. Le comté, on va le mettre là. Voilà, nickel. Et enfin, ça fait plus d'une semaine que c'est là et que ça traîne. C'est bien sûr le lait, à mon avis, au soleil, il a pas dû kiffer à la fenêtre, hein, donc... Oh, j'ai plus de place. Ah si, on va. Ah ouais, ok, bah je vais mettre le carton là dans un coin. Voilà, ok, nickel. Donc là on va fixer tout de suite les prix, c'est pour ça que j'ai laissé fermer mon magasin. Là actuellement c'est à 2,76$, donc je vais mettre 3, j'arrondis. Ok, et ensuite les œufs, on va arrondir à 5. Voilà, et le lait on va arrondir à 3. Voilà, je mets pas trop cher non plus, parce que sinon ils achèteront jamais en fait hein. Ok, donc là on est bien. Est-ce qu'il faudrait que je recommande des trucs ou pas? Non, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, bon allez hop, ouverture. Bing. Ensuite, achetez une nouvelle section à l'aide de votre ordinateur. Nouvelle section? Genre quoi? Attends, est-ce que j'ai payé mes factures? Ah, mon loyer! J'ai payé mon loyer, c'est bon, double loyer, $20, ça pique. Agrandir. Ah oui, c'est ça! $350. Ok, il me faut $350 pour agrandir ce supermarché. Ok, on va se faire un maximum de thunes, c'est parti. Bon, les amis, c'est une nouvelle journée qui commence. Et regardez, j'ai plus de $1000 en poche. On va pouvoir enfin signalement embaucher un nouveau pote. Mais d'abord, on va agrandir notre supermarché. Alors du coup, on va aller dans gestion, on va faire agrandir, on va prendre une section 2 et là, boum. J'ai dit boum, voilà. Fais voir un peu, ça fait quoi? Oh, waouh, ok, d'accord, ça... D'accord, ok, je peux mettre des nouvelles étagères ici, très bien, très bien. Ok, maintenant, est-ce que je peux embaucher un pote? Parce que là, normalement, c'est bon, là, je suis niveau 10 et j'ai aussi assez de thunes. Embaucher un pote. Ok. Attends, attends, mais il va être là. Ah, yes! Kevin, enchanté. Ça va? Bienvenue au club. Joli gilet, d'ailleurs. Bon, du coup, regardez, on est très bien, là. Oh, c'est excellent. On va pouvoir enfin s'occuper de mettre les trucs en rayon, tout ça, sans avoir besoin d'aller à la caisse. Je vais payer mes petites factures en stockage. Attendez, là, qu'est-ce qu'on pourrait prendre, là? On pourrait agrandir. Non, ça, on s'en fout. On va aller dans marché, tu vois, genre là. Et on va aller dans fourniture. Réfrigérateur, je l'ai déjà. Je pourrais m'acheter un autre réfrigérateur, celui-ci. Il coûte 375, mais il me permettrait d'avoir un peu plus de trucs en rayon, genre style de l'eau, tout ça. Faire un peu... Waouh! Ça, c'est un sacré truc. Alors d'ailleurs, tiens, en parlant de ça, on va aller acheter dans les produits plein, plein de trucs. Voilà, histoire de mettre tout ça en rayon. Je prends tout. Let's go. Attends, mais ça va faire... Ça va pas faire genre une méga pile? Wow! Il y a tout qui est tombé! Ok, donc là c'est bon, j'installe mon nouveau frigo. Ah, mais là, on va être bien là, regarde, hop. Nickel, ok, on va ouvrir.
C'est où le truc pour ouvrir maintenant? Ah, c'est là. Ok, let's go. Et là, c'est parti. On va pouvoir mettre en rayon tout ça. Donc, tac. Alors, je vais stocker les cartons, ouais, dans le coin, tu vois. Parce que là, j'avais vraiment plus de place. Ok. Ah, ça, c'est cool, ça. Alors, il n'y a personne pour l'instant. C'est pas encore prévu qu'on puisse ajouter, avoir un employé qui met en rayon. En tout cas, c'est pas prévu pour l'instant. Hein. Mais déjà, au moins, il va s'occuper de vendre et tout. Et ça, c'est cool. Ah, bon, pardon, madame, excusez-moi. Moi, ça va très vite ici. Hein. Pas le temps de niaiser. Faire un peu. Donc là, attends, je le surveille. Je suis pas du tout stressante, Jolie. Non? Tu sens pas comme une présence au-dessus de ton épaule? Non, c'est bon? Ok. Je suis le pire boss du monde. Ok, je vais mettre ça là-dedans. Voilà, bon, hop. On va s'occuper quand même d'agrandir un petit peu tout ça. Alors pour l'instant, le deuxième qui est ici pour un deuxième pote, ça va être un peu cher. Et de toute façon, je crois que j'ai pas le niveau. J'ai pas assez vendu. Je crois qu'il faut vendre vraiment pas mal. Ça te dérange pas, je mets ça ici. Boum. Bonjour monsieur, hop, on va mettre tout ça en rayon là et après on va agrandir encore un peu notre magasin là. Bon alors comment ça se passe ce petit magasin aujourd'hui là? Parce que regardez les amis, hey, ça s'est vachement bien agrandi là, regardez maintenant. J'ai deux nouvelles personnes embauchées et j'ai surtout un gros problème de stockage. Ouais, regardez tous les cartons qui traînent partout là, c'est n'importe quoi. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va directement aller sur le PC et on va aller, attention, oui parce que regardez j'ai plein de nouveaux produits. Mais le problème c'est que j'ai pas la place pour tout stocker. Du coup on va aller directement au niveau du marché. Non c'est pas là, de la gestion, ouais c'est là. Et on va aller, déjà j'ai pas de facture, ça fait plaisir. Déverrouiller la zone de stockage. Vous vous souvenez la porte là qui a été verrouillée là? Oh, et attends là c'est bon. C'est toujours verrouillé. C'est toujours verrouillé mec. Ok, celle-là. Ok, alors j'ai pas le niveau ensuite hein, pour le reste. Ah bah si, j'ai le niveau en fait, c'est juste que j'ai pas les autres sections. Mais j'ai pas le niveau par contre pour embaucher d'autres potes. Hein. Alors attends, est-ce que ça s'est constamment verrouillé? Ah c'est là, ok. Oh, en vrai c'est trop stylé. Attends, mais du coup, si je veux là tout ça, je peux le stocker là, tu vois. Ah ouais c'est pas mal du tout. En vrai je pourrais mettre des étagères. Sachant que on sait que normalement les gens vont pas aller là-bas. Ok. Sauf les voleurs. Ils vont se servir mais Oh ouais ça se met bien dans ce quartier là. Attends non mais Ok bon les amis je pense que c'est le moment d'améliorer un petit peu notre super marché. D'ailleurs on peut pas le renommer. C'est un peu dommage mais je pense que ça viendra, ça viendra. Ok donc déjà on va pas acheter alors des fournitures. Sachant que bon déjà on a pas de place pour les mettre. Donc du coup on va aller dans gestion. On va agrandir non tu me diras. Non attends c'est pas là, c'est dans marché et fournitures. Est-ce que je peux acheter les nouveaux trucs ou quoi? C'est quoi ça? J'ai pas encore testé ça. Ouais parce que j'ai déjà acheté une nouvelle caisse enregistreuse. Le congé j'ai pas, des plafionniers va en falloir un petit peu je pense. Là on est bien, allez c'est parti, boum. Ok, waouh. Waouh. Ok, ça c'est quoi ça? C'est le congèle. Ok, on va peut-être pas le mettre En vrai, est-ce que je pourrais pas déplacer mes étagères? Regardez, pour que ça soit genre un peu plus cohérent, tu vois. Genre ici, on pourrait mettre un coup un frigo, un coup une étagère. Voilà, attends, non, plus satisfaisant. On met les étagères du même côté. On va faire ça, regardez, hop. Excuse-moi. Ah, c'est vachement lourd. Boum, voilà, regardez. On va bien les aligner à... Ça, oh, c'est... Tu vois ce même là? Ouais, c'est la même. Tu vois, satisfaisant là, de ouf. Ok, donc là, on a ça, on est bien. Il nous faudrait d'autres étagères. Je crois que j'avais pas eu ce truc là. Attends, si, je l'ai sur le trottoir. C'est quoi ce truc là? C'est pas genre un caddie. Attends, mais ça a l'air super. C'est quoi ce délire? Pourquoi je peux pas le poser? C'est pas genre trop grand? Je ne peux pas le poser. Dis pas que c'est un truc qui va dehors ça. Ça aurait pu être possible. Hein. En vrai, je ne sais pas ce que c'est ce truc. Mettre en boîte. Attends, fais voir, jette. Pardon, excusez-moi, désolé, je déménage. Hein, c'est quoi un truc? Prix à l'unité. C'est écrit en tout petit! J'arrive même pas à voir ce qui est écrit! Mec! Sérieusement? Ok, bah c'est pas grave, je vais acheter des nouvelles étagères. Voilà. De toute façon, c'est pas perdu, hein. Au pire, je les mettrai. Wouah! C'est un voltigé de partout. En vrai, on va poser ça ailleurs. On va le mettre devant ça. Voilà, au pire dans la zone de stockage hein. Hop voilà nickel. Et on va placer la petite nouvelle étagère. Voilà, à dos de ce truc. Regarde. Oh ça c'est bon ça. Ok et pareil on va en prendre une autre. J'avais pas vu mais j'ai même posé des cartons. Regardez sur le sur le tapis tu vois. Tellement je les ai laissés quoi. Tellement c'est n'importe quoi. Ok et là. Hop parfait. Alors la mise en rayon c'est moi qui m'en occupe hein. Là en vrai c'est pas mal comment j'ai mis le frigo hein. Peut-être que je vais le poser là. Regardez. Genre là c'est pas mal. Voilà et les congélateurs ça me dérange pas de les laisser là. Parce que comme ça on a la vue de l'extérieur. Tu sais tu te sens pas trop enfermé tu vois. Ok nickel. Bon je pense que les petits frigos on va les oublier. C'est le dernier que je vais utiliser. Le dernier d'ailleurs je vais le poser là.
Peut-être pas à l'entrée là, ça va gêner. C'est pas grave, attends, on va mettre ça déjà. C'est pour aller dans le congélateur. Ah non, le congélateur ça va être pour des nouveaux objets à tous les coups. Putain, c'est pas grave. D'ailleurs, on voit rien du tout, on voit que le pouic, hein. Faut voir si j'allume. Ah ouais, pas fou. Bon, alors ne jamais faire ça à la vraie vie, tu mets pas une lumière en même temps que t'as laissé le courant. Attends. Voilà, nickel. Ça c'est bon ça. Allez hop là. Petite lumière là. Petite lupiote. Voilà, parce qu'on va quand même éclairer ce magasin. Ce sera un peu triste de... la lumière qui se barre. Voilà, de mettre tout ça dans le noir. Les gens ne verraient même pas ce qu'ils achètent. Ok, vous inquiétez pas, je vais en acheter des trucs. Voilà. En vrai, ça se fait très bien. Hein. Avec deux potes en caisse là, ça se fait très très bien. Là, c'est une autre étagère. En vrai, on pourrait la mettre genre... bah ici, hein. Il y a nickel. Hein. Attends, c'est au maximum là? C'est au maximum. Ah ouais, non, c'était pas au maximum. Ok! Excellent! Et là, c'en est une autre, je crois. Ah! Ah yes! Ah là, on est bien! Là, il y a de la place! D'ailleurs, c'est pas très bien centré tout ça. Hein. C'est pas très très centré tout ça. Regarde, voilà, comme ça. Parce que bon, là, de l'autre côté, tu te cognes. Hein. L'autre, il se penche, il fait tomber ta bouteille d'huile. Hein. Ok. Nickel. Allez, mets-la bien comme ça, là. Étagère. Pourquoi je peux pas le poser? Attends, mais d'où? Ah, c'est parce que je suis mal placé là, c'est ça? Je dois être mal placé, je pense. Ah, attends, c'est pas grave. Hop. Nickel. Ok, et là, on va faire pareil avec celle-là. Ok. Attention, voilà! Là, il y a de la place! Là, d'accord! Ok, bon, les bouteilles d'eau. Bah là, c'est... là, c'est au cas où il fait chaud, là, parce que t'as vu tous les packs de litres que j'ai acheté d'eau, là. Il y a aussi les petites lumières, là, encore, que j'ai pas posées. Voilà, on va les placer. On va suivre la trajectoire des... des lumières, hein, comme ça. Hop, les petites LED. Ils sont sympas, les gens. Ils me volent pas ce que j'ai acheté là sur le trottoir. Ça, c'est cool. Et là, comme ça. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, là, hein. En vrai, c'est stylé, non? C'est stylé de ouf. La lumière, celle-là, je la garde pour plus tard. Je vais stocker ça. Ah, bah non, bah attends. Ça allume aussi ici. Ah, bah oui. La petite salle de stockage, il faut y penser quand même. Et là, on a du coup encore une autre étagère. Mais je pense qu'on va la garder pour plus tard. Donc, c'est pareil, on va la mettre dans la zone de stockage, parce que j'en ai pas besoin maintenant. Voilà, bon bah c'est nickel les gars. Je vais mettre ça en rayon, alors attendez. On va passer la nuit là, boum. Voilà, hop là, nickel. Les bonbons ont descendu. Alors attendez, il me reste 3000 de thunes, c'est pas mal. C'est pas mal, ok. Bon, alors attendez, on va commander enfin des nouvelles choses. Donc ouais, c'est ça, y'a pas plus de trucs. Y'a pas genre d'étagères murales et tout, c'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a des yaourts, des barres de chocolat, des céréales, des gâteaux, des bonbons, du sel. Du beurre de cacahuète, des pibis. Ok, très bien. Est-ce qu'on a des trucs à mettre au congèle hein? Pour l'instant, je crois pas. Hein. Quoique les yaourts, j'ai un doute. Bon, je vais prendre un peu les derniers trucs parce que ça, je l'ai pas pris. De toute façon, tu peux très bien gagner bien ta thune avec tous les articles. Il faut avoir tous les articles, les amis, de toute façon, obligé. Parce que sinon, vous montrez pas en niveau. Voilà. Hop, comme ça, c'est fait. Hop, alors du coup. Excellent. Ils ont appelé ça des bons papas. La petite ref à bonne maman, hein, tu connais. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Ok, donc ça, poubelle. La poubelle, elle doit être remplie à bord. Les spaghettis bio, là. Voilà. Alors, ne pas oublier surtout de mettre les tarifs, hein, pour d'ouvrir. Hein. Faut pas faire l'erreur. Hein. Voilà, et là, c'est les... Attends, mais c'est juste du cru, ça. C'est marqué quoi? Du basmati lustu pas cru. Mais attends, mais les noms sont trop stylés. Ils ont dû se gaver à trouver les noms comme ça, là. Attends, ça, je vais le récupérer. Voilà. Et ça, c'est quoi, ça? On dirait du chocolat. Ok, chocotte, très bien. Là, on a quoi ici? C'est des nouvelles céréales, excellent. Des crispy chibi, ça ressemble quand même vachement aux cookies crips là. Ouais, de ouf, hein. Ok, ensuite, on a quoi là? C'est quoi ce truc là? Oh, un gâteau aux pépites de chocolat. Très bien, très bien. Du cake, hein, plutôt. Là, ici, on a des yaourts. Les yaourts se congèlent? Non, pas encore. Au frigo, peut-être. Ah oui, c'est mieux. C'est quoi comme yaourt? Des fruits green? Ça vient de l'Allemagne. Je pense. Hop là. Les petits yaourts. Alors à mon avis, je me dis, si j'étiquette sur une étagère, ça va étiqueter pour tout le reste. Les nouvelles bouteilles d'huile. Bah, ça je connais, ça j'en ai chez moi. Attends, je connais des tupiges. J'ai oublié le vrai nom. Je l'ai en plus, la vraie bouteille. Le sel, baleine bleue. Attends, comment ils ont écrit ça? La baleine. Mais what, c'est une sirène dessus. Ok, très bien. Et là, ah, les bonbons. Les bons becs. Eh, trop bien. Ok, les bons becs. Ça, je vais le mettre là. Ça, on avait déjà. C'est du narvalo.
C'est comme de l'expresso, hein, c'est clairement la même. Hein. Nous, on est, nous c'est Wish ici. Hein. Wish, c'était un vrai magasin IRL, tu sais, c'est très vraiment. Les bouteilles d'huile, voilà. Allez, allez, allez. J'ai trop hâte d'avoir 4 caissiers là, ça va être trop efficace. Boum, ça part. Hop, encore des bouteilles d'huile. Je vais encore commander parce qu'on n'a pas encore tout vu de ces nouveaux produits là. On met tout ça en rayon. Moi, je vais super vite. Qu'est-ce que c'est que ça là? Du Comté. Ah, ils l'ont vraiment laissé Comté. Bah, Comté, c'est pas vraiment une marque déposée au final, non? Hop, faudrait peut-être que je rachète des frigos là. Hein, parce que là, ça va être chaud patate là. Les pâtes, les panzati, ça tu connais. Voilà. Ça serait trop. J'ai trop hâte qu'ils fassent une mise à jour où tu peux avoir des pâtes qui mettent en rayon et tout. C'est trop bien. Ok, donc là, si on va au magasin, j'ai pas encore ouvert, donc c'est pas un problème. Donc là, ça c'est bon. La farine, ça on avait pris. Ça on n'a pas pris, je crois. Ça non plus. Oh, il y a du coca, trop bien. Oh non, mais il y a trop de trucs. Mais il y a trop de nouveaux trucs. Ok, c'est bon, j'achète. Ça va, 148, c'est pas cher, hein. Tu te fais vite de la thune, hein, quand t'as plein de trucs, hein. Ok, il me faudra un autre frigo. Ah ouais, il me faudra un autre frigo. J'aurais pas assez de place. J'ai acheté trop de bouteilles d'eau. Ça, c'est quoi? Du lait. Du lait. Attends, je peux le voir ou pas? Ah, dommage. Ah, j'ai pas ce qu'il faut. Bon, je vais le mettre là. Comme ça, j'oublierai pas. Là, on a quoi, là? Du soda. Ok, très bien. Je vais peut-être m'acheter un nouveau frigo, hein. Ah ouais, je vais m'acheter un nouveau frigo. On va s'acheter direct les frigos doubles maintenant. On va pas s'embêter avec des frigos simples. Hop, boum, et regardez ça. C'est qui l'ouvre ça? Non mais c'est vrai, je veux savoir. De toute façon je vais le laisser là. Ok, le soda, enfin le... Oh, la bouteille chimique là. Très bien, hop, ensuite. On a quoi là? C'est quoi ce truc là? Ah, c'est la farine suprême. Vous pensez que c'est ceux qui font les vêtements aussi? Ok, le coca là, je veux trop voir là, le cola là. Cola turc. Pas mal, turco. Ok, et stylé en vrai le turco là. Faut pas que j'oublie de mettre les prix, vous inquiétez pas, je vais y penser. Très bien, là on a quoi là? Ah, le bon Nutella là. Il le met, ça on le met pas en... Attends, je vais le prendre. Oh, je peux pas me baisser, c'est dommage. Je savais pas que je pouvais fermer le carton. Oh, on voit pas le nom, ah c'est dommage. Oh, je suis vert. Attends, je peux pas... Ah dommage, je peux pas le poser, il est trop loin. Là on a quoi là? Ah, encore du coca. Qu'est-ce que c'est? Du cola, ça c'est vraiment ça. Le cola, c'est pas une marque déposée, je pense, hein. On peut vraiment... du cola, t'en vois partout, hein. Le petit jus de fruits bio, ça tu connais. Oh, mais attends, mais ça je connais de ouf, hein. C'est du Tropicana, c'est ça, hein. Ok, très bien. Et là on a quoi ici? Encore du jus de fruits, mais là c'est pas du jus d'orange, c'est du jus de pomme. Oh, c'est tellement bon, jus de pomme. Team jus de pomme, hein. Let's go, hein. Hop. Excusez-moi madame, c'est pas encore ouvert, désolé. Et ça c'est le lait. Et bah le lait, on va le mettre shelf. Oh, c'est ça qu'il faut mettre dans le... Sur les petites étagères. Attends, non. Attends, non. Attends, hop, pose ça. Je suis pas sûr, mais je crois que ouais. Ah non, c'est juste là les packs. Ok, mais on a les grilles, hein. Je vais apprendre à les poser, t'inquiète. Oh, je peux shooter dans le carton, ça c'est satisfaisant par contre. Et ça c'est... Ah, c'est pour le stockage. Ok. Ok, j'ai capté. C'est les grilles de stockage. Oh bah attends, mais on va se mettre trop bien. Hop. Voilà. Alors quand t'étiques les prix c'est toujours les mêmes après, hein. Mais d'ailleurs ça change tous les jours, donc faites bien gaffe. Petit conseiller, hop. Et là du coup je peux poser ça là dessus Oh, trop bien. Je peux poser mes cartons et tout. Bon, par contre en haut là je vois pas ce que c'est, mais bon, ça je peux pas vraiment le poser, mais c'est pas grave, on va fermer la boîte. On va le poser ça là, nickel. Mais c'est trop bien, j'aime trop ce que je fais. Gros paquet de cigarettes, hein. Ok. Bon, maintenant on va mettre les tarifs. Donc ça c'est à 2,60, j'arrondis à 3. Après j'y touche pas trop parce que même si ça monte c'est pas grave. Comme ça ils sont contents d'acheter chez moi, c'est pas trop cher. Ou trop cher parfois. Ouais, c'est ça, c'est éthique pour tout, nickel. Là on va mettre à 3$. Ça on va le mettre à 4$. Le cola cher, hein, de ouf. Ça on va le mettre à 3$, les amis. Ok, on a encore rien à mettre au congèle. C'est parce qu'il va falloir que je débloque une licence qui me permettra d'acheter des objets à mettre au congèle. Je vais faire le tour. Et bah là on est pas mal, là on est bien. Bah je vais ouvrir le magasin. C'est open, messieurs dames, venez. Alors hop, on va tout de suite mettre les prix des bonbons parce que sinon je vais me faire arnaquer de ouf. Là c'est bon, c'est pris. Là c'est pas encore mis. Wow, 7$ au bout du marché. Wow, pas mal en vrai, hein. Là 5, ça on va mettre à 6. Let's go, le Nutella qui n'est... Moi j'aurais appelé Nupala, tu vois. 4$, ça on va le mettre à 7. C'est quoi ça, je vais même le mettre à 5. Ça devrait passer normalement. Les céréales à 6. Allez, le bon papa. Trop drôle.
Les spaghettis, on va le mettre à 7. Voilà, bonjour monsieur. Eh, hey, j'ai de nouvelles personnes qui viennent, trop cool. Ok, parce que j'avais un peu l'attaque des clones hein, depuis le début. Tout est bien mis, les prix sont bien mis. Ok, bon, bah voilà, ce qui est bien, c'est que j'ai plus qu'à attendre. Là, les personnes vendent pour moi. Enfin, ça, c'est cool, c'est génial. C'est trop bien. C'est trop satisfaisant de voir des gens vendre comme ça. Et je vais essayer de racheter les objets que j'avais pas encore, que j'ai plus en stock. Voilà, bon, en tout cas, tout y est. Il n'y a plus qu'à faire un maximum de thunes. Non mais regardez mon supermarché qui est devenu vraiment un centre commercial. Regardez la taille du truc. Oh, c'est tellement grand. En vrai c'est trop satisfaisant d'avoir tous ces rayons remplis, blindés et tout là. Bon sauf celui-ci c'est normal parce qu'en fait je voulais voir avec vous un petit peu les nouveaux objets que je peux acheter là, les nouveaux produits là. Ok bon regardez maintenant j'ai 3 personnes d'embaucher. J'ai quand même plutôt bien agrandi mon petit magasin là. Je vous rappelle on est parti d'un truc c'était du 1 mètre carré tu vois vraiment. Et là regardez ma petite zone de stockage, voilà bien pratique. J'ai mis pas mal de petites étagères, tout ça. Du coup, on est parti. On va pouvoir, maintenant que j'ai embauché un pote, justement, voir un peu les nouveaux objets. Alors, on va commander vraiment un peu de tout là. Là, voilà, ça, je vais prendre le panier, machin, tout ça. Ce qui est bien, c'est que là, du coup, on va pouvoir tester, je pense, la. Le Mister Freeze là. Donc c'est parti. Bam 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 ça s'ajoute. Ça aussi voilà. Il y a de la mayo, du ketchup, tout ça. Ok. Le bâtonnet de crabe, la bière. Il y a même des sushis et tout. Excellent. Excellent excellent. Donc ça je prends. Voilà. Hop hop hop. Ça commence à coûter un peu de thunes quand même hein. Là on est pas loin des 1000$ à chaque fois hein. Donc tu vois ok donc ça c'est bon. Je sais pas si j'aurai assez dans les frigos par contre. Je suis en train de penser à ça. Ok l'énorme poulet là. Le sucre en poudre, nickel. Le miel, voilà. Boum, allez, ça part. Bon là, je pense qu'on est bien là. Là, non mais regardez tous les trucs que j'ai acheté là, c'est n'importe quoi. Ok, c'est bon. Boum, là, il doit avoir un truc de carton de malade mental devant chez moi. Oh la vache. Oh la vache. Ok, bon alors, on a quoi là? Ok, les patates. On peut les mettre comme ça là. Ah ouais, ça prend de la place là, hein. Mmh, yam, on est patate au champ là avec le petit oiseau. Ok, ça, ça dégage. Voilà, nickel. Ensuite, c'est quoi ça? Stark, Tony Stark. Ah, ça va être placé dans un frigo. Mais non. Ah, je vais peut-être devoir acheter un frigo, je pense, à mon avis. Waouh, let's go, on peut jouer au foot. On va s'acheter un frigo, hein. Un petit congélateur. Allez, oui, oui, faites pas attention. Oui, vous avez dû voir le chantier qu'il y a là devant mon truc de stockage. Madame, marchez pas dans mon truc là. C'est normal. C'est pour hein. Attends, on va mettre ça comme ça. Nickel. C'est pour le futur. C'est nos futures étagères. Ça c'est quoi ça? Ah mais c'est les packs de bière. Oh les fûts de bière. On dirait des pots de moutarde géants là. Ok voilà ça ça part. Attends d'ailleurs mon poulet je l'ai laissé traîner où? Ah ouais là. Shoot dans le. Shoot dans. C'est pas le poulet c'est dans. Une espèce de. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? On dirait du truc rose là au poisson là. Ok. Allez, on met ça là-dessus. Voilà, Tarama là. Voilà, c'est chercher le nom. Ok, ensuite on a quoi là? On a quoi de nouveau là? Du miel. Ah, ça c'est bon le miel hein. Je vais mettre tout ça là. Tout ce qui est nouveau, c'est là, c'est du miel. Oh, nay. Ok, le miel, impeccable. On dirait un peu les pots de Nutella hein, dans la forme du truc. La moussaka. Mmh. Ah, bah c'est les produits surgelés. Tu déconnes, tu mets pas ça au congèle? Moi j'aurais mis ça. Ok. J'aurais mis ça au congèle moi. Hein. Perso, bon, le reste. Je vais mettre au stockage. Alors, y a pas de problème, tu peux stocker ça là-dessus. Ça dégèle pas, hein. Ok. Ensuite, encore des packs de bière. Bon, les bières, on va les mettre ensemble quand même. On va mélanger ça avec les patates, même si bon, il y en a un peu dedans. Ok, donc là, c'est bon. Ensuite, on a quoi? On a. Waouh! Eh, c'est du saumon! Ça, c'est surgelé, non? T'es sérieux là? Dans... c'est fin. Ah, oui, non, c'est d'accord, c'est pas surgelé. C'est du vrai saumon, mais pas surgelé. Ok, le surgelé, peut-être qu'on l'aura après. J'ai peut-être pas encore les licences. Les pots de maillot, hop, ça va là. Je vois pas la marque. Ok, c'est pas du Heinz. C'est pas du Heinz en tout cas. Là, on a quoi? Ah, les Covid espagnols. Si, si, regarde ça, c'est les Doritos, mais version le Covid. C'est pour l'appeler la période de, 2020 avec le Covid. C'est les chips Covidés. Ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est de l'eau, sérieux? J'ai racheté de l'eau. T'es sérieux? J'ai racheté de la flotte. Mais ça va stockage ça, j'en ai, regarde, j'en ai un frigo entier là, rempli de flotte. Ça ressemble un peu en tout cas, hein. Hop, allez hop, ça stocke. Nickel, ensuite là on a quoi? Le poulet. Bah ça sur l'étagère direct hein. tiens, le freezer, enfin. En plein soleil là. 60 degrés, ça va pas du tout rendre ça moisi hein. Hop, ensuite. Ah, les pizzas de la mama les... Ah non, c'est les pizzas des Niro. Ok,
C'est Robert qui les a faites. J'oublierai pas de, bien sûr, de remettre les prix, vous inquiétez pas. Hop là, voilà, vous avez vu, tout est tarifé ici. Hein. Là, on a quoi, là? C'est quoi, ça? Ah, c'est du bâtonnet de... du surimi. Ah, au crabe et tout, excellent. Ça, c'est bon, ça. Ok, on met ça là-dedans. Ensuite, on a quoi? Pirate. Ça, c'est vraiment ça, c'est pirate, je crois. Hein. C'est pas pirate. Ok, des Saint-Jacques. Mmh. Saint-Jacques. En plus, c'est grand français. Font du poireau et tout, excellent. C'est grand français. Ok, tu sens qu'ils ont quand même pris les packaging. Donc là, c'est quoi, la Javel, hein? Avec les céréales au matin, hein, bien sûr, bien connu. Java, Jaja, Javel. Excellent. Ok, donc là, c'est bon. Ensuite, on a du PQ à fond les ballons, là. Ouh là là, le PQ, là. Le PQ doudou, là. Oh, le poudou, là. Ça fait un peu penser à Milka, hein, le truc, là. Et là, on a quoi? Ouh, le Maxi Pack. Maxi Pass de Clean Dish. Ouais, c'est comme finish, quoi. Ok, très bien. Ok, ça va être mon livreur, lui, hein, sûr. Là, ensuite, on a quoi? Ça, on avait déjà des lots comme ça. C'est le riz, c'est la marque. C'est la marque du truc, du bio, ok. Là, ensuite, nouveau truc. Oh, la vodka. Ok, très bien. Hop, on va mettre ça ici, parfait. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a, là? Oh, du savon. C'est du savon? Ah, c'est du savon. J'avais pas encore ce genre de produit, tout ça. C'est dommage qu'on peut pas ajouter un peu de déco au magasin, genre des affiches promo, les choca kicks en promo avec les poteaux pops. T'as capté ou quoi? La mimolette. Ah, ça, ça va au frigo, ça. Du fronton, là. Voilà, la mimolette. Parfait. Alors ensuite, on a quoi? C'est quoi ce produit, là? Vert fluo, là. Koyo. C'est du shampoing. Excellent. On n'avait pas encore de trucs comme ça aussi. Très bien, très bien. Le Narvalo, ça, on reconnaît la marque tout à l'heure. On en avait, je crois que c'est du café. Ah, c'est du café. Ouais, c'est ça, du café. Ok, ok. Il nous reste encore pas mal de cartons, là. Des œufs, d'accord. Les œufs bio, là. Ah bah ça, c'est dans le frigo, ça. Oh, j'ai bientôt plus de place. En vérité, là, on est dans le mal, là. Ok, on stocke ça, là. Très bien. Ok, voilà. Et là, bah, tu sais quoi, je veux... Ouais, non, j'allais dire, je vais ouvrir, mais... j'ai encore perdu... J'ai pas encore fixé les tarifs. Là, dans la petite mozzarella. Ok, ok. Là, ensuite, on a la poudre en sucre. Très bien. Donc là, c'est pareil, on va la mettre là. C'est quoi? Ah, c'est pas du candy, c'est du bouli. Du bouli, ok, ok. Bon, bah écoutez, on est pas mal. On va fixer un peu les prix de tout ça, là. Hop. Je pense que, ouais, si t'écris pas, ça met un petit prix par défaut. En vrai, non, tu peux mettre ça direct, hein. Regarde, tu fais ça, boum, tu cliques là, et voilà, 2,20. C'est encore plus rapide, comme ça, t'as une moyenne en dessous. T'es pas trop cher. Voilà. Hop là, allez. Bon, bah, on va ouvrir tout ça. Ah, je vais peut-être augmenter les prix un peu après, mais hop. Les crouspies pizza là, ça c'est bon, mais j'ai plus de place au congèle. Donc le reste ira dans la zone de stockage. Hein. Ah, quoique, ouais, non, ça ira au stockage. Ok, bon les gars, préparez-vous les spartiates. On a du boulot là. Ça c'est quoi? Oh, les miel pops. C'est quoi? Des honey bees. Eh, hey, il est stylé le packaging en vrai. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais si c'est une contrefaçon, c'est bien fait en tout cas. Ok, bon, on est bien. Tout ça c'est mis, le tarif est mis là. Ça, c'était pas mis. Voilà. Ok, on va mettre pareil pour la maillot. Je remonterai peut-être les prix après, tu vois. Mais pour l'instant, c'est bien. Oh, regardez là. Ça, c'est bon, ça, là, quand t'as un truc bien rempli. En vrai, je remplirai celle de là ici, hein, t'inquiète. Hein. Voilà. Ok. Bon, bah, on va mettre tous les prix. Ça arrive ou pas, là? Ah. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans mon magasin, le Furious Market. Hein, là où tous les prix sont assez furieux. Dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont pas très chers. De... Oh, l'autre, il emballe le sac de patates. Eh, ça fait une giga raclette ce soir, hein. Ouh là là là, ça a pété sec, hein. Hein? N'est-ce pas? Mec. Ah, bonjour, monsieur. Ok, et là, ça va directement, là, ici. Voilà. Moi, j'ai plus qu'à regarder mes potos bosser. Bon, on va se mettre bien. L'objectif, c'est d'agrandir au maximum le magasin. D'avoir le plus d'embauchés possible. Ils font la queue et tout, ici. Non, mais là, on est comme... Attends, comme dans les magasins de vêtements là. Attends, voilà, c'est bon. Waouh, ouais, il achète masse lui. Hein. Oh, eh, ça va payer sec, hein. Ça, ça va payer. Waouh. Ok, allez, regardez ça. Elles sont bien les caisses comme ça. Moi, je trouve que c'est cool. Allez, au moins, tu vois, ils font tous la queue au même endroit. C'est trop, trop bien. Regardez, hop là. C'est comme Primark. Voilà, tu vois. Ok, allez, hop, la thune. Regardez ça. Hop là, ça a monté. Combien je vais me faire là? Ouh là là, eh, ça monte bien. Est-ce que je vois le prix là? Ok, du poulet, 5 dollars, c'est pas beaucoup. Waouh, giga course là.
Regardez le monde qu'il y a là. Truc de ouf. Oh là, va me rapporter ma thune là. 22. Ok, 24. Et ça continue de monter, hein. Alors les caissiers sont moins rapides que nous-mêmes, hein. Mais ça monte, hein. Oh, 42. Waouh. Ah ouais, giga bouteille là. Très bien, très bien. Ok, là, 60. Excellent. Bon, bah hop. On va remettre tout ça en rayon. On va faire un maximum de pognon, hein. Les amis, regardez. J'ai terminé à 100% Supermarket Simulator. Regardez, j'ai absolument tout acheté en fait. J'ai absolument acheté tous les objets. Tout. Que ce soit, bah, déjà le nombre de places. Regardez la place de ouf qu'on a maintenant et tout. C'est une dinguerie. Et surtout, j'ai acheté tous les produits du jeu et toutes les améliorations possibles. Regardez ça. Voilà, ma réserve, elle est bien pleine à craquer, hein, c'est le cas de le dire. J'ai le nombre maximum d'employés, j'ai mis regarder, toutes les lumières comme il faut. J'ai tous les produits du jeu placés. J'ai mal à la main de ouf tellement, c'est vénère de cliquer à force de les poser, laisse tomber. J'ai absolument tout, quoi, c'est un truc de ouf. Hein. Vraiment, regardez, si on va là-bas, attends, il n'y avait pas genre un truc. Voilà, tu connais le sucre daron. Voilà, c'est vraiment, c'est que des blagues comme ça, quoi. Regardez, je crois que ça va être le créateur, c'est pas possible. Tout propre, tout propre. Voilà, hein, c'est Monsieur Propre version Supermarket Simulator, hein, tout propre. D'ailleurs, petite anecdote, vous savez qu'au Québec, on dit pas Monsieur Propre, mais Monsieur Net. Voilà, je le savais pas, bah voilà, toi aussi tu savais pas, bah voilà, bah c'est parfait. Et là, on a le beurre président, bah paysan, bien sûr, bien connu, hein, paysan. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, clean, ok, très bien. 20, ok, ok. Non, mais regardez tous les trucs qu'il y a, quoi. Ouais, le sucre daron, je le veux en vrai, quoi. Laisse tomber. Le Pablo, ok. Très bien, très bien. C'est quoi ça? C'est les pâtes. Pario, ok. Bah attends, mais c'est du génie, les noms. Pétus. Ok, excellent. Et là, on a quoi là? Big Tony. C'est pas Butoni, normalement, les pizzas là? Attends, Maxicone. Ok, ok. Très bien, très bien. Bah attends, mais c'est n'importe quoi. Smarty, c'est bon bec. Pop. Pop, pop, pop. Ok. Non, mais c'est n'importe quoi. Bon, les amis, je pense que là, ça y est. On l'a fait. On a terminé Supermarket Simulator. Et franchement, donnez-moi une note sur 10 pour ce supermarché incroyable. Honnêtement, si c'est pas 11 sur 10, je comprends pas. Voilà, donc j'ai vraiment tout rempli, hein. Donc du coup, comme quoi, il n'y a pas besoin de faire plus, hein, parce que là, tous les rayons sont pas entièrement pleins. Bon, ils sont quand même bien pleins, hein. Franchement, voilà. Ça y est, mesdames et messieurs, vous pouvez venir. Je vous présente le Furious Market, hein, entièrement terminé à 100%. Allez-y, rentrez, hein. Les prix, c'est cadeau. Voilà, vraiment, c'est cadeau, hein. Première journée d'ouverture pour ce super mall, là, madame, bienvenue. Venez rentrer, tout est gratuit. Enfin, pratiquement gratos, hein, parce que vu les prix, là, là, c'est donné. En tout cas, les amis, j'espère que cette découverte sur Supermarket Simulator vous a extrêmement plu. N'oubliez pas de mettre bien sûr un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, de maximum de liker cette vidéo. Parce qu'elle me vole du lait à fond là, non? Ça me vole du lait à fond là. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Merci beaucoup les amis, c'est le Jumper, le patron. Je vous l'avais dit qu'on allait faire fortune. Regardez, c'est ma voiture d'ailleurs. Qui s'en va toute seule. Voilà. Et on se dit du coup à très bientôt. Avec le frérot, regardez qui est là. Eh mec, check. Bruce Willis, ça a changé ou quoi? Lui aussi qui fait chemise. Allez, on se met là, regardez devant ce beau supermarché. Et ciao les amis.